Alors, merci à tous d'être aussi nombreux, aussi fidèles. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Toujours ce 6 juin 2018, 16h18, heure du Québec. Petite nouvelle rapide que je vous rapporte d'un autre, d'un autre objet volant non identifié, capturé sur vidéo, au-dessus, cette fois, du volcan. C'est pas la première fois qu'on voit de ces objets volants non identifiés, capturés sur vidéo au-dessus de ce fameux mont ou volcan Popo, Catepelt, au Mexique. C'est vraiment pas la première fois. Je vous en avais même déjà partagé à l'époque. Ça nous provient de Mary Grayley News, qui a eu cette, ce lien. Ça nous provient du Mexique. On peut voir ici l'objet en question. C'est pas un avion. C'est pas un hélicoptère, hein? C'est juste au-dessus du volcan en plus qui est en éruption, qui est toujours en activité. Il disparaît derrière la fumée ici et il va réapparaître de l'autre côté. Donc clairement, c'est pas un montage, c'est vraiment authentique. Qu'est-ce que c'est? Vraiment très, très bizarre. C'est pas la première fois qu'on voit cette, en plus, en forme de Tylenol ou de cette fameuse forme longiligne de capsule dont on a parlé l'autre jour avec le reportage que je vous ai fait sur l'incident avec l'armée américaine. Vraiment, vraiment fascinant. On peut le voir entrer dans la fumée de l'érude. Du volcan en éruption et ressortir de l'autre côté. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un objet volant non identifié. Si vous avez des suggestions à faire, faites-nous-les. Mais vraiment étonnant. C'est pas la première fois qu'on capture au-dessus de ce volcan-là ces objets volants non identifiés.